Ok, excusez-moi, on m'entend là? Ouais, ok, c'est bon. Alors, désolé. Donc, on se retrouve plusieurs jours, peut-être bien même une semaine, plus d'une semaine après, je crois. J'ai un doute. Hein. Je sais plus quand est-ce que j'ai joué. Enfin, quand est-ce que j'ai enregistré le dernier coup. Parce que jouer, par contre, je l'ai fait beaucoup. Alors, qu'est-ce qui a changé depuis la dernière coupure? Premièrement, je suis arrivé niveau 120. Je suis niveau maximum. Voilà. En ne faisant que les attaques de la Légion. Voilà, le timer, pareil, il faudrait que je le désactive. Est-ce que je peux le cacher là, comme ça, tout de suite? Non. Je désactiverai le add-on plus tard. Il m'est plus utile. Là, je viens vraiment de passer niveau 120 il y a même pas 10 minutes. Hein. Donc voilà. Et donc j'ai terminé cette quête hors caméra. Je vais juste la rendre. Au niveau pognon, alors j'étais même monté à 82 000 il y a encore hier soir, et puis j'ai fait des investissements dans l'HV, donc voilà, j'ai fait un peu soirée businessman hier. Et puis bon, bah, je vais voir, hein, les fruits de mon travail sont toujours dans ma boîte aux lettres, j'ai pas regardé. Mais voilà, j'ai trouvé un endroit pour pouvoir farmer des PO assez rapidement. En fait, c'est déjà un spot que je connaissais d'avant, hein, mais ça voilà. Et comment dire? Et puis c'est tout. Oui, niveau 120, ça veut pas dire que la série va se terminer tout de suite. On va terminer la campagne de l'Argus. Et on va aussi au moins commencer Battle for Azeroth, bien sûr, parce que j'ai essayé avec mon voleur, enfin ma voleuse, de la campagne Battle for Azeroth, et donc c'est bien ça, il faut prendre la campagne Bataille pour Lordaeron. Le problème, c'est qu'au moment où je tourne là, la bataille de Lordaeron n'est pas scriptée. Il faut donc la skipper. Ce qui m'embête un petit peu parce que je pense qu'on rate quand même des choses assez intéressantes. Donc je vais peut-être attendre plutôt que on puisse en fait faire la bataille de Lordaeron. En attendant, ce n'est pas grave. On devra se passer par contre du cœur d'Azeroth le temps que ça se soit scripté. Mais en tout cas, je ferai également des Battlegrounds. Mais les Battlegrounds. Donc les BG, ça ne sera pas dans cette série, ce sera dans une série parallèle. Vous l'aurez certainement vu. Hein, voilà, je compte faire une série parallèle. Je ne sais pas encore au moment là où je tourne comment l'orienter. Mais voilà, il y aura des Battlegrounds. Ça, j'y tiens. Donc voilà. Bon, on rend cette quête. Ensuite, réveiller le gardien de la porte. Attendez, je. Voilà, parce que j'ai pas beaucoup de son, moi. Ok. Je suis rétabli. Oh non, je connais cette voix. Exilé Ymera, pourquoi êtes-vous revenu? Nous devons. Le Conservatorium ne met pas ses ressources à la disposition de personnes de votre statut. De tous ceux qui pouvaient devenir gardiens de la porte. Peut-être devriez-vous mener la discussion. Ok. Apparemment, il y a un conflit entre les deux, là. On attend de moi que je vous salue. Bonjour. Ok. Le cachet est le plus grand honneur du Conservatorium. Seuls les élus d'Archimonde peuvent prétendre à cette consécration. Je suis dans l'obligation de vous informer que le maître a créé des épreuves à cette fin spécifique. Je suis également contraint d'autoriser les non-initiés à participer. En même temps, t'as pas le choix, t'as un petit peu vu, parce que monsieur parle bourgeois, mais t'as vu un petit peu dans quelle ruine tu te retrouves actuellement.
Je pense que l'étiquette, tu peux laisser tomber, mec, hein. Je pense que... Voilà. Je pense que la situation, elle est urgente. Vous voulez quoi? Commençons. Ok. Bon. Mes protocoles m'imposent de vous saluer. Les règles sont les règles. Oula, on a l'impression d'entendre bien couilla parfois même. Mes protocoles m'imposent de vous saluer. Vous, Imera, ne participerez pas. Mais je ne vous refuserai pas la chance de voir votre ami échouer. Comme c'est généreux de votre part, je ne pourrai pas vous aider directement, mais je possède des informations qui pourraient vous être utiles. Il y a un petit côté. Oui, excusez-moi, je vais faire ça aussi. Voilà, parce que je traîne pas mal sur le world, résultat, maintenant que je suis. Même depuis que j'étais du niveau 18, je commençais à traîner un petit peu sur le world, connaître un petit peu les gens. Parce que on va se croiser en Battleground, évidemment. Oula, d'accord, ok. Alors ça, on sait comment ça peut finir, ça. C'est perdu d'avance pour vous, mais je veux bien me prêter au jeu. L'assemblage arcanique, là, il est sympa, lui, mais... Il est déjà mid-life, il se la raconte. Continuez comme ça et vous parviendrez peut-être à quelque chose. Ok, et je dois embêter combien comme ça? En tout cas, il fait pas de dégâts à mon marcheur. Je suppose qu'on peut appeler ça une victoire. Il me faut une cible. Tu m'étonnes qu'ils se soient alliés à l'Alliance. Ils sont pédants comme pas possible. Je ne vais pas retenir mes coups. Commençons. Je compte pas là-dessus. Eh ouais, l'orgueil, c'est le plus gros défaut de l'Alliance. Et eux, ils en transpirent. Qu'une faible performance nous fait du tort à nous tous. Ah d'accord, ok. Elle a le même genre de pouvoir que moi de résistance aux dégâts.
Oh non, mais c'est pas vrai. Hey, mais j'oubliais. Assez que vous pourriez presque gagner. Bah oui, j'avais oublié que j'avais ça, résultat. Bah oui, parce que pendant les combats de la Légion, je peux pas m'en servir. Mais... Hey. J'ai ça aussi. Attendez. Attendez, pourquoi il... Non, non, c'est bon, je l'ai... Je l'ai vaincu, hein. Ouais. Oui, je l'ai vaincu. Elle a compté, hein. Je... Attendez, j'ai du mal à voir quelle quête c'est. Tom Bonetta... C'est défi de ruse. Ok. Non. C'est celui-là. Et donc il me manque le grand vizir. Ok, c'est bien ça. Vous affrontez Jarasum, grand vizir du conservatorium. Ouais. Allez, approche-toi, he's no good. Puisque c'est le grand vizir. Ouais, mais j'y pense pas que j'ai le jugement de la lumière qui fait que je peux... Qui fait que je suis craqué quand je suis à Argus. Ouais, bon là, je vais peut-être même pas en avoir besoin en fait. Là, il prend cher. Ouais, 30 000 points de vie, je vais pas utiliser le jugement de la lumière pour ça. C'est donc terminé. Exact. Donc, suivant. Wow. Ok, alors. Wow, d'accord, ok. Comment je désactive les boucliers qu'il y a autour de ces trucs? Je tente, hein.
veilleur. Alors attendez. J'ai l'érudit, le consul et les veilleurs. Là-bas, c'est celui d'acquitté. Je dirais les veilleurs. Non. Ah. Exact. Ok. Est-ce que l'autre est accessible au résultat? Non. Donc là, il faut que je change. Celui là-bas, c'est lequel? C'est la fourberie. Quel personnage pourrait correspondre à la fourberie? Le consul. On va essayer le troisième avec celui-là. Ah, attendez, il y a des couleurs. Là-bas, c'est orange. Donc j'ai du jaune, si je mélange avec du rouge. J'ai du orange. C'est un truc avec les couleurs primaires. Je pensais que c'était avec le caractère des personnages, mais en fait non. C'est juste une histoire de couleurs. Ok. C'est une énigme à la professeure Layton. Et donc là-bas, la couleur, c'est quoi? C'est du violet. Ok. Donc il me faut du bleu et du rouge. Non, du rouge, j'ai dit. Ok, en fait, faut que je vire le jaune. Voilà. Ok. C'est pas intuitif à utiliser, mais. Mais ça se laisse faire. Donc là, je vais juste rendre les couleurs pour éviter d'avoir le. D'accord, ok. Je voudrais juste me débarrasser des couleurs si c'est possible, mais apparemment, bon. Ça va peut-être disparaître au bout d'un moment, mais on va avoir ça qui va clignoter au-dessus de la tronche pendant quelques temps. Donc ça, c'est fait. Donc j'en ai deux à rendre. Il me reste la troisième épreuve. Entrer dans le gardien et terminer l'épreuve de ténacité. Ok, très bien. Très bien, très bien. Ça a l'air d'être là. J'ai ordre de servir. Ce défi est très simple. Entrer et avancer jusqu'à atteindre l'autre côté de la structure. Tout est conçu pour vous tuer. Bonne chance. Essayez de ne pas vous faire toucher par les rayons. J'imagine que c'est très douloureux. Oh. Je vois, je vois, je vois. Je vois, je vois. Attention aux escaliers. Ok. Ah.
Ah oui, ok, d'accord. C'est ce genre de... D'accord. Oh, vous avez réussi. Merveilleux. Pourquoi tu en doutais? On attend de moi que je vous salue. Bonjour. Bien, le défi est terminé, mais uniquement parce que je n'ai plus d'endroit où vous mettre à l'épreuve. Ok, donc à rendre. Bon ben, voilà quoi. C'était simple. Honnêtement, il y avait pire. Bon, avant de voir la suite, je réinvoque mon marcheur. Oh, redémarrage dans 25 minutes. Oh, c'est pas vrai. Bon, ben, écoutez. Tant que, voilà, tant que on a encore 25 minutes, après, je ferai une pause. Vous voulez quoi? Et ben, 30 les quêtes. C'était simple. Je n'y ai pris aucun plaisir. Les règles sont les règles. Mes protocoles m'imposent de vous saluer. Ah bah voilà. Ok, faut tuer un archimonde quand même. Je Enfin, faut n'y ai tuer pris Archimonde, je veux aucun dire. plaisir. Je ne peux pas entrer dans le prétoire. Mais vous le saviez déjà, n'est-ce pas? Oui. Impossible. J'ai foi en vous. Je ne serai pas loin quand vous en aurez fini. Je me suis trompé de démon, j'ai pas vu. Excusez-moi, je vais juste réorienter un peu mon micro. Que j'ai l'impression qu'il est voilà qu'il est pas bien placé. Alors, Archimonde. Cela fait trop longtemps que je n'ai pas donné de leçons d'humilité. Venez m'affronter. Un hommage digne de mes enseignements au Conservatorium. Vous ferez la fierté d'Argus. Prenez votre récompense. Sérieux? Sérieux? C'est la one shot? Je m'attendais à ce que ça le fasse tomber midlife, moi. Oh la gueule de l'archimonde! Oh purée, une attaque! Non mais il est vraiment trop craqué le. Le truc de l'Argus, enfin le truc du Vindicar là, le jugement de la lumière, c'est beaucoup, beaucoup trop craqué. Avec le bon état d'esprit, n'importe quel objet peut devenir une arme. Ok. Restez à l'affût de tout ce qui pourrait être utile. Regagnez le 20 Icar et remettez le cachet de l'éveil en sûreté. Il
Et on a un nouveau trajet. C'est là. Nous devons nous unir contre la Légion. Ben alors? Tous ceux qui errent ne sont pas perdus. Oh oh. Alors j'ai peut-être mal vu. Je théorise. Que la lumière vous baigne. Tayone Saka. Ah, attendez. J'avais pas vu. Voilà. Faut le voir, hein. Il est en légère surbrillance et il est violet sur violet, ça se voit à peine. Vous rallierez-vous à notre cause? Tous ceux qui errent. L'archimonde méprisait les limitations du cachet. Sans le reste de la couronne, sa puissance était réduite. La puissance était tout ce qu'il désirait. Ce mépris est ce qui nous a permis de récupérer le cachet. S'il avait su sa valeur à nos yeux, il l'aurait très certainement détruit. Je me demande ce qu'il espérait prouver avec ces épreuves. Le cachet lui-même était-il un test? Nous pourrons bientôt débloquer tout le potentiel du Vradikar. Il ne nous manque que le cimier de la connaissance pour que la couronne soit à nouveau entière. Ok. La suite, je suppose que c'est toi qui me la donne ou... Nous devons nous unir. L'armée de la lumière. J'utiliserai toutes les armes à votre disposition. Gardez les yeux sur... Agissez. La Légion progresse effrontément sur des mondes au-delà d'Argus, éparpillant ses troupes. Trouvez ces portails et tuez les démons de l'autre côté. Ok, mais là on s'éloigne de la quête de...
Attendez, parce que juste celle-là. Ouais, celle-là, c'est ok. Celle-là. Ah oui, alors j'ai celle-là, j'ai cette quête-là qui est apparue. Mais elle semble. Mais elle est apparue en fait quand je suis rentré dans un donjon. Donc apparemment elle est liée plutôt à. Il faut aller hors Grimard hein, pour la. Voilà, pour y aller. Mais elle est liée apparemment à l'extension Cataclysme. Donc voilà, donc pour le moment je vais juste arrêter le suivi. On sait qu'elle est là. Celle-là, on sait que voilà, faut utiliser la carte, mais ça marche pas très bien. Donc il y a que cette quête-là. Il y a que cette quête-là. Ou alors, si il y en a une autre. Une invasion empêchée. Oui, non, une invasion empêchée, mais ça, elle est pas scriptée. Alors oui, il y a celle-là. En fait, c'est une quête qu'on peut prendre, mais si on la, on peut pas la redonner. Mais par contre, ça nous débloque une balise. Ça nous débloque la balise de garder cette quête. Donc c'est pour ça que voilà que j'ai gardé. Alors la question c'est. Ah, ok. Donc il faut aller sur le site d'invasion. Mais par contre on est... Je vois pas où c'est. Bon. Donc là c'est encore la course aux quêtes. Notre heure est venue. Donc là évidemment j'ai une invasion machin là. Le Vindicar est à Quelles sont les nouvelles? Ma foi est mon bouclier. Vous rallierez-vous à notre cause? Elle est partie où la miss là qu'on qui nous a accompagné là? Qu'est-ce qui vous amène? Les mensonges sont top. Ok. Bon, donc il y aurait la quête d'Illidan. Je vérifie qu'il n'y en ait pas une autre qui soit cachée et qu'on verrait pas. Parce que je voudrais pas encore tourner en rond pendant une heure et être bloqué, quoi. Alors, par contre, donc, on avait un nouveau sortilège possible. Vous invoquez un Lexatur, ok, utilisable comme puissant véhicule. Ok, d'accord, ça c'est un véhicule, donc on peut pas, voilà. Vous occupe pendant 10 secondes, ce qui vous empêche les ennemis de... D'accord, ok. Ça va pas être sympa, mais est-ce que je perds le jugement? Parce que si je perds le jugement, ça m'intéresse pas. Et puis en plus, c'est pas si ouf que ça. Il y a un truc qui me permet d'être un peu plus furtif, mais honnêtement... voilà quoi, je suis niveau 120, alors qu'ici, normalement, c'est pas un niveau 110. Enfin, 100 à 110 même, donc en soi, voilà. Donc là, je suis un peu embêté. Écoutez, on va retourner au Toddy. Voir si le site d'invasion en question, c'est là.
Je vais tourner jusqu'à trouver où se trouve le fameux site d'invasion. De toute façon, le serveur va redémarrer dans 10 minutes, donc je vais couper et on se retrouve après. Excusez-moi. Laisse-moi un instant. Je vais essayer de t'expliquer. Nous devrions peut-être discuter de tout cela en privé. Excusez-moi, il y a un dialogue qui s'est lancé quand je suis retourné sur le Vindicar, mais depuis... Alors, je vous explique rapidement. Comment dire? On a Asha et Aleria qui sont les... Donc Champ Corbeau et Courcevent, ce sont les sœurs, sœurs et belles-sœurs, je crois, je sais plus, de Sylvanas. Non, pardon, c'est Aleria et Vaïssa, oui, le Asha, c'était un truc que voilà qui était à Dalaran. C'était une phrase de Dalaran. Donc voilà. Donc Aleria dit impossible, je ne peux pas croire que notre sœur dirige la horde à présent. Voilà, puis Vanessa, enfin voilà, c'est une discussion entre sœurs concernant Attendez, je veux juste augmenter un petit peu. Normalement j'avais. Oui, voilà. Normalement. Voilà, je peux faire ça. Voilà, c'est juste histoire d'agrandir un petit peu pour pouvoir lire le dialogue. Voilà. Alors. Et ce n'est pas tout, je ne suis pas sûr de pouvoir tout expliquer pour le reste. Et je ne suis pas sûr que ce soit le temps et la place pour. Tu dois savoir, Varessa. Quelle fierté a perdu notre sœur. Enfin voilà, un truc dans le genre. Donne-moi un moment. Oh, attendez, excusez-moi, j'ai mes... Voilà. Donne-moi un moment, ce sera mieux pour m'expliquer. En gros, peut-être qu'on ferait mieux d'avoir une discussion en privé. Voilà, on avait... Voilà, excusez-moi, j'ai mes étoffes de lin en plus qui sont parties... qui viennent d'être achetés en fait. Je pensais que c'était un retour, mais non. Mais non, je viens de gagner le jackpot en lin là. Donc je suis content. Je viens de gagner le jackpot là, honnêtement. Vu ce qui vient de partir. Donc résultat. Que la lumière vous bénisse. Donc on a ici Varessa Courcevent. Et on a ici Aleria. Les ombres peuvent être. Et donc ce sont les sœurs de Sylvanas. Qui sont toujours du côté de l'Alliance et qui. Ouais, qui souffrent du fait que leur sœur soit. D'accord, là par contre j'ai pas le morceau en revenant. C'est un peu bête. Quoi qu'il en soit, voilà. Donc pour la quête de Illidan, là, les trois sites d'invasion nettoyés, j'ai l'impression qu'il faut que j'attende la prochaine attaque de la Légion. J'ai l'impression que c'est ça. J'ai bien lancé mon record, hein, je suis pas fou. Oui, je suis pas fou. Donc ma force soit avec vous. Il y a un joueur là, non? Ouais, je vois un joueur. D'accord, ok. Oh, c'est bon ça. C'est bon. j'ai mon pognon qui est en train d'arriver. Il faudrait que ce soit la même pour la laine, pour le reste, mais... voilà. Oui, je me suis relancé un peu dans les étoffes. Hein. Au niveau du business. Honnêtement, ça vaut le coup. Attendez, excusez-moi, j'ai un message.
Mais bon, je verrai ça plus tard. Donc, il y a ça, mais ça, c'est pas scripté. C'est la seule quête qui reste et qui est pas scriptée. C'est un peu dommage. Donc, je recoupe, je fais le tour de tous les points de TP pour voir un petit peu. Et je vais essayer de relancer s'il y a une discussion qui se relance. Là, c'est parce que voilà, il y avait une discussion entre les deux sœurs qui s'est relancée. Et voilà, donc je... Voilà, on n'a pas... Voilà, donc voilà. Donc je vous reprends tout à l'heure. Ok, on reprend. Donc, j'ai ce truc-là qui est apparu. Donc il y a des sites d'invasion apparemment qui apparaissent un petit peu de façon random sur la carte. J'en ai pas vu... Ah d'accord, ok, il y en a un deuxième là. Ok, donc en fait, voilà, ça apparaît, mais... Zut, qu'est-ce qui... Oh zut, ok, d'accord, ça me blesse. J'avais pas vu que ce truc-là me blessait. Alors... Ok. Ah ok, d'accord, il faut se TP et puis aller détruire. D'accord, ok. Wow, 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 wow. Ok, bon, bah, on va faire cette quête. Les troupes de la Légion ne s'attendent pas à notre arrivée. Ah, c'est une instance. Achevez-les. C'est une instance. À l'aide. À l'aide. Mouais. Je peux pas utiliser. Au secours. Au secours. Au secours. Oh purée. Non, 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 non. Ok, c'est ce genre d'instance. Ok, je vois le genre. Je vois le genre, je vois le genre. Et je peux pas utiliser mon... Je peux pas utiliser ma lumière. Et par contre, je suis en instance, mais par contre, la résu... non, quoi. Je suis en instance, mais pas avec les bonnes règles de résurrection, quoi. Bon. Ouais, bah ok. On va faire ça comme ça, mais... Je peux pas utiliser ça. J'attendrai Gêne, hein, mais... Votre monde sera annihilé. Je briserai votre volonté. Non mais genre, ça tapait 1000 points de vie et par seconde en plus. C'est pas ce que je voulais. Je me suis trompé de sort. D'accord, par contre ces trucs là ils sont violents. Ces trucs là ils sont méga cheatés.
Ouais, puis ça régène à fond. Allez, hop. Illidan, t'es bien sympa, mais ta quête, là, tout seul, c'est mort. C'est pas indiqué, d'ailleurs, que faut être à plusieurs pour cette quête. C'est con, hein, il y aurait que 3 drains sang, mais ils sont... Je vais essayer d'attaquer un autre. Je vais persévérer un petit peu, mais honnêtement... ça me paraît complexe. De toute façon, ils ont tous l'air d'être gardés par au moins un mec, et puis il y a des rondes. Donc... évidemment, je voulais essayer, mais je peux pas voler, ça c'est une évidence. Non, j'ai une patrouille qui arrive. Là, le problème, c'est l'espèce de faucheuse là qui se balade. Alors, est-ce que... Et il se balade de... D'accord. Là. Attendez. Ouais, ok. Faut attaquer à distance, comme ça, j'alarme personne. C'est comme ça qu'il faut faire, ok. Bon, j'ai désactivé pour le moment mon marcheur, je le réactive si jamais il... Je me fais aggro, mais... Donc il faut agir comme ça. Bon, ok, donc c'est faisable, mais... Mais fallait surtout pas que j'envoie mon marcheur et surtout que j'attaque... Ok, et par contre ça décompte bien, donc c'est bien. Ok, et ben... Et par contre c'est que la phase 1 quoi. Oh non, c'est pas vrai, le serveur il va se déco encore. Mon démon m'a pas suivi, j'ai plus les sorts qui marchent. J'ai une déco du serveur encore. Et c'est la troisième déco en fait. Il y a eu deux décos hors caméra. Je sais pas ce qu'ils font. Ils doivent être en train de corriger des bugs. Bon, mais on a compris le principe. Voilà. Donc simplement, bon bah, je détruis les trois drains de sang et puis à la limite, je vous reprends hein, quand le serveur aura redémarré. Parce que là, clairement. Ouais, ok, je suis trop loin là, visiblement, mais. Ouais, j'ai plus rien qui bouge. Je n'ai plus rien qui bouge, mon marchand non plus, donc. Donc voilà, donc déconnexion du serveur, donc voilà, je vous reprends tout à l'heure. Ok, donc on se retrouve. Après les petites coupures que j'ai eues, je suis en train de détruire le dernier drain sang. Ah, excusez-moi, j'ai un logiciel bien sûr qui s'est lancé alors que je lui ai rien demandé. Voilà. La Légion ne se remet pas de votre attaque. Portez-lui le coup de grâce. Ah. Non. non. Je. Oh, il va falloir que j'attaque des mobs, mais je fais pas le poids. Seriously? Et puis eux, ils sont apparus, mais en fait,
D'accord, ok, j'ai même des mobs qui sont apparus alors qu'ils n'étaient pas là au départ. Ok. Bon, on va essayer de s'attaquer à ces petites merdes là, là, les... Ok. Oh là! Mais vas-y, 3000! 3000, vas-y, t'as pas 3000! Qu'est-ce qu'on s'en fout? Ah oui, vas-y, puis plus de marcheurs, puis plus rien, vas-y. Mais oui, bien sûr. Allez, bon, bah écoutez, c'était sympa, hein. Mais salut, hein. Non. Ça me gonfle. Ça me gonfle, c'est pas possible. Sérieux, je me prends des 3000, je me prends des 3000 de points de dégâts. Donc en 10 coups, je suis mort, quoi. Allez, hop, salut, hein. J'aurais essayé, mais franchement, non, juste non. En plus, ce serait des instances un peu standard où on résout systématiquement, je dis pas, mais là non. Le problème, c'est que ben niveau quête, un peu coincé là. Je vais faire le tour ici là des différents points de TP pour voir un petit peu qu'est-ce qui Qu'est-ce qui permet en fait d'avoir, enfin de continuer. On va, limite on va le faire ensemble, il n'y en a pas pour longtemps. Faut juste que je sorte d'ici. LTP, il est, Les armes voilà. abandonnées lors d'une attaque précédente jonchent la crête du côté est du bastion. Les récupérer serviraient notre effort de guerre. Après, il y aurait les autres, hein, mais en gros, il y en a un sur chaque continent, quoi, Les sorciers Iridar transforment le sang gangrené de cette planète en armes qu'ils retournent contre nous. Ils doivent être éliminés. Alors, ici. Ok. Ah non, c'est pas vrai! Le serveur, il est encore déco!
Bon, je retiens le vendredi, c'est pas le jour pour tourner, quoi. Parce que s'ils font les maintenances le vendredi, Bon, on va essayer juste de faire le tour des PNJ, voilà. Ouais, non, bah voilà, j'ai... Ça a freeze, j'étais déco. Allez, à tout de suite. Bon, cinquième, je crois, reboot. Puis il semble pas y avoir de MJ en ligne. Bon, enfin bref, on va faire avec. Donc, une quête est apparue, finalement. Je sais pas trop pourquoi, je sais pas trop comment, mais il faut aller revoir la redresseuse de Thor du Vindicar. Donc elle est pas là. Je pensais qu'elle était en dessous. Ok, non, elle est là. D'accord, ok, non, ok, c'est... Ok, donc, excusez-moi, donc c'était juste un coffre. Ouh! Ouh! Oh! Mon Dieu! Qu'est-ce qu'on a là? Un objet en plaque, ouais, mais ça c'est pas pour ma classe. Ça c'est un, voilà, c'est un truc que j'ai récupéré. Ouais, en fait il y avait beaucoup de choses mais pas grand chose d'utile en vrai. Ça je m'en tape, ça j'ai du sang de Sargeras. Alors